Et hier, c'était magnifique d'être devant. Et puis en plus, le parcours était vraiment joli parce qu'on rentrait dans chaque baie. Donc c'était super joli parce qu'on a rasé tous les caps, toutes les falaises, tous les cailloux, toutes les îles de Méditerranée entre Marseille et Nice. C'est bien dommage que le prologue ne comptait pas pour la course finale parce qu'on a été en tête du début à la fin. Donc c'était plutôt une bonne ambiance à bord. Nous, ça nous a permis de nous entraîner ensemble parce que l'équipage ne se connaissait pas encore. On n'avait pas encore navigué sur ce bateau-là, ni les uns ni les autres. Donc voilà, ça a permis de nous mettre en place et puis de se confronter aux deux autres. C'est l'expérience que j'ai accumulée en multicoque qui fait que maintenant je peux aussi transmettre. Et je pense que maintenant j'ai l'âge pour transmettre. Ça va être super pour le grand public de venir nous voir déjà sur l'eau. Et puis même à terre, il y a plein d'animations, donc venez nombreux. Ouais. Nice Ultimed, c'est la première fois que les Ultimes, ces plus grands trimarans de course à large au monde, viennent en compétition en Méditerranée. On a peine à croire qu'ils seront en équipage sur Nice Ultimed, mais que ces skippers-là sont capables de les mener en solitaire sur des transatlantiques ou autour du monde. Je vous garantis, pour celles et ceux d'entre vous qui ne les ont jamais vus, vous allez vraiment prendre un uppercut. On est en mission avec cet événement et notre mission, c'est de partager l'extraordinaire.